Ouais, c'est parti. Eh ben. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Stayboy et tout. Ouais, c'est pas Catherine, c'est fast meeting. Oh, c'est bien, fast meeting, c'est bien, ça change. Bah, ça permet de piquer dans les fours. Moi, j'ai jamais piqué dans un four, jamais. Ah ouais? Jamais. Sauf une fois, jamais. Ok, prochaine question de culture générale. En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? 465 jours. Oui, c'est ça, oui. 360... Eh, Marwan, ça date. Pourquoi? Faire? Non, vas-y, toi, je te bloque, non? Non. Mais sinon, je t'ai pas parlé, toi, tu me dis quoi faire? On va t'enculer, ça. Je t'ai dit ça date, frère. Ah, ça date, wesh, bien. Bien, et toi? Ah, ça va, tranquillement. La famille, les amis? Tout va bien, alhamdoulilah. Bah, alhamdoulilah, bah, ça, tout va bien. Le navigateur portugais Ferdinand de Magellan... Ah, merde. Putain, merde, je me suis trompé. Durant la Seconde Guerre mondiale, quels étaient les pays membres des premières puissances de l'Axe? C'est pas un déo. Personne là. Personne là. C'était l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Prochaine question. Quelle est la signification de www dans un navigateur web? World Wide Web. Bravo. C'est un point pour AZN9. Prochaine question. Quel pays arbitre les villes de... Oula. Abrite, pardon. Les villes de Salé, Nador et Casablanca. Le Maroc. Très bonne réponse. Quelle est la dimension en longueur d'une piscine olympique? C'est dans le thème. C'est dans le thème. 100 mètres, mais Jax, OMG. 50 mètres. Jax, tu le fais exprès, frère. Quelle est la signification du terme cynophobie? C'est la peur des yinches. C'est ça. La peur des arabes. Dans combien de langues écrit-on de droite à gauche? 4 non. 14 non. 1 non. 3 non, 27 non, les Chinois, alors je vois pas le rapport, 5, 9, bon, on va faire un C+, ou C-, 5, C+, 12, Fire Force, c'est la bonne réponse, bravo Fire Force. Attention, ça va aller très vite, préparez vos claviers, quelle est la langue la plus parlée dans le monde? L'anglais, vous êtes nuls. Robocano, 1 point, ça fait 2 points pour Robocano. C'était bien évidemment le chinois alias le mandarin avec 955 millions de personnes qui le parlent dans le monde. Faux, je contexte. Pourquoi? Question mal formulée. AlphaCode, j'ouvre le bureau des contestations. La langue maternelle la plus utilisée, mais la langue la plus parlée, c'est l'anglais. Il nous casse les couilles, hein. Vous trouvez pas qu'il nous casse les couilles un peu? Je confirme l'objection. C'est une bonne réponse, AlphaCode. Plus 1 point. Le mec qui me donne une bonne réponse sur l'objection. Prochaine question. Quel est le plus grand océan au monde? Bien évidemment... Oh là, il y a un mec, il a dit l'Antarctique. Il a sauté la classe de CO2. C'est la mer Noire. Meilleure utilisation. Bon, attendez, il va y avoir les rôles. Je pense que tu vas être taupe jalouse. Bof. Vu mon stuff, je préfère être enquêteur en vrai. Tu. Fais chier. Je vous pose une dernière question. C'est la question en or. Si vous avez juste à cette question, vous avez gagné. Dans un jeu de fléchettes, quel est le numéro situé en face du numéro 1 à l'opposé? C'est pas 20. C'est pas 18. C'est pas 15. C'est entre 20 et 18. Vous le faites exprès? Personne a dit le 19. Je suis mort. Personne a dit le 19. J'aimerais bien avoir un peu de jumps, non? C'est moi ou... J'ai pas de grotte depuis tout à l'heure. J'ai cassé deux pioches en fer. C'est ça, oui. Tu l'as bien mangé, je pense que tu l'as déjà mangé. Coucou. Oui, mec. Ça va? Je me souviens plus des noms. Pas un diamant, si paraît, ou pas? J'ai pas miné un diamant. Ah, super, ok. Tu fous le fer? Ah, bah c'est bien, ouais. Voilà. J'ai cassé deux pioches en fer de street mining. Bien. De street mining, carrément. De strip mining, c'est comme ça qu'on appelle, non? Non, c'est le street mine, hein. C'est le minage de la rue. Ah oui, oui. J'en avais entendu parler de ce minage de la rue, ouais, là. Ça. Strip mining, tu trouves du diamant, t'enlèves un vêtement. C'est une folie. Tu mines des pochetons. Pourquoi des pochetons? Ah, le street mine. Soleil. 1, 2, 3, soleil.
1, 2, 3, soleil. Si vous avez peur dans la rue, n'hésitez pas, vous vous retournez. Vous comptez jusqu'à 3, vous vous retournez, il n'y a plus personne normalement. 1, 2, 3. Ah ! Faune de fou ! Mais il fait peur ! C'est fou, ouais, quand ouais, c'est oui. Là à côté. C'est terrible. Ah, il est où là, 1, 2, 3, soleil, on a gagné là. Voilà, je. Hey, je crois que j'ai un peu gagné là, tu feras gaffe, mais je crois que. Hey, Guillaume, ça reste entre nous. Ouais. Tu pourras me dire quand t'auras vu. Vous... Il est innocent avec un truc en vert, s'il te plaît. Dans. Avec un truc en vert. Dans 2 minutes si tu veux, je peux te dire. Merci mec, parce que bon. Y'a pas de problème, moi. Franchement, ça se voit qu'on a plus le réflexe d'un temps passé, hein. Parce que bon, on se cache même plus quand on enquête maintenant. À la table derrière. Ah bah, c'est exactement ça. Ah, la table. Ah, on a la table. Let's go. On a la table. Champagne. Oui, bah de toute façon, j'ai rien à enchanter. Pour le moment, j'ai pas de diamant. Après, ma troisième pioche cassée, est-ce que je vais... Non, là, je commence vraiment à avoir peur. Mais un... En vrai, je te propose un truc, si tu veux. Dis-moi. Vu que je suis mélo méchant, on s'allie et genre on... On leur dit pas, tu vois. Genre on les fait chier, en fait. Vas-y. Et puis voilà. Ça me va. Ça rendra ma game fun. J'en ai une, Guy, 1 à 0. Bon, il a déjà mangé deux. Il a mangé plus que ce qu'est-ce que j'entends, Fares, là. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends, là ? T'as entendu quoi ? Non, je vois pas ce que... J'ai entendu un ting quand j'étais pas dans le four, c'est bizarre. Moi, j'ai jamais piqué dans un four, jamais. Ouais, mais non, c'est mon soundboard. Quand je fais ting, ça fait... Non ? Ah, ok. T'as pas entendu ? Non, là, ça vraiment enregistré le mauvais truc, là. Tu l'entends là ? Je l'entends, mais c'est parce que je casse des blocs quoi, c'est pour ça que je l'entends là. Non, ouais, vraiment. C'est moi là, c'est mon soundboard là, hop, hop. Moi par contre, ce qui m'intéresse, c'est savoir le médicament que t'as utilisé il y a 2 semaines. Tu veux vraiment le savoir ? En vrai de vrai, oui. DM, si tu veux. Vas-y, je viens. Shinigami, mais c'est pas le nom d'un médicament ça. Ah ! En train de faire bully. Ah, moi je suis là pour le fun hein. Ah bah je le vois bien. Je suis là pour un max de fun hein. Alors là moi je le suis, moi je suis là pour un max de fun aussi là. Ah bah moi ça tombe bien. Vraiment ce que j'ai écrit ? Ah oui ! Ouais, moi aussi. Ah oui ! C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, ok ! J'aime bien l'honnêteté entre nous, à chaque fois qu'on fait une game ensemble, on a fait ça. On sait très bien qu'on se crame en 2 secondes du coup. Ouais, du coup c'est bon, on se dit au bout d'un moment. Oui. Du coup t'enquêtes qui ? T'inquiète. J'enquête là. Oh! Je peux le dire aux autres si tu veux, que mon enquête elle m'a affiché que t'es. Bah, Eric est mort par un creeper! Mec, il était là? Eric est mort par un creeper, il était là! Il était là? Il est là? Il est où? La folie! Attends, il est mort! Oh le creeper il m'a one shot! Attends, il est mort là? Ah, là oui! T'es mort? Je suis mort sa mère! Oh mais ça me tabasse! Bon bah en espérant qu'il était pas... Non mais on va se faire super suspect. Mais non. tellement de zinzin mec. On est foutu. Mais eh les gars, il s'est passé une singerie. Mais je vous jure que c'est vrai. On parlait avec Pichard, je vois Eri qui monte à côté, donc qui part dans le main shaft qui est dans la cave. On entend pshh, boum, Eri mort, one shot par y'a aucune man, vraiment c'est... Bah voilà, nous on était par contre deux à chaque fois. Fun game. C'est vraiment le creeps of all time quoi. T'aurais pas la masterclass de votre part là. Ça aurait été exceptionnel. Franchement, de ouf. Mais... Eri s'est vraiment fait one shot par un creeper et je trouve ça cependant très honteux et je me permettrai pas honnêtement de lui infliger une telle humiliation. Oui c'est vrai, tué, c'est vrai, c'est vrai, dirais, il est c'est mort vrai. Un mec d'une autre équipe, c'est vrai. Mais alors certainement pas un creeper sinon, mec. D'ailleurs. Attends, pourquoi j'ai une pomme d'or, tu m'en as volé ? Mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai dû manger une pomme d'or, hein ? Je me souviens pas. Mec, viens vers moi là ? Là, juste là, traverse là ? Non, ça c'est le truc chelou de l'année là, je jure que c'est... Ça c'est un truc de gros Kira sa mère hein. C'est pas le truc de gros Kira de l'année ça. Il y a un trou. Et en plus il y a un petit trou, c'est pour que le mec il reste là. Oh, il y a un mec. Non c'est faux. Personne. Il y a rien vraiment... Attends, il y a vraiment des blocs à la hauteur 5, c'est quoi cette merde là? Je pense que quelqu'un a un premier degré miné. Attends, il y a des blocs là mec. Qu'est-ce que c'est que cette merde hein? Non mais regarde là. Mais on est où? What the fuck? Mais regarde, il nous a suivis. En fait c'est nous qui minions vers là-haut non? Il y a pas la faille au bout? Mais on va où là? Ah mais y'a vraiment un mec en mais fait. Mais je l'ai fumé. Mais je l'ai fumé. Je te jure. Attends mais y'avait vraiment un mec en fait. Je suis mort sa mère. J'ai chopé le plastron. Y'avait vraiment un mec. Y'avait vraiment quelqu'un. Mais la folie. Pourquoi? Mais la folie. Y'avait un mec. Mais il était même pas. Il était même pas sur le flingue. Il était sûr qu'il y avait un gars. Il m'a regardé. Y'a eu ce moment où on s'est regardé et on s'est dit. Oh bah merde. Mais je t'ai dit c'est chiant. On s'est pas
tapé tout de suite. Je te jure qu'on s'est pas tapé tout de suite. Il y a eu ce moment où on s'est regardé vraiment dans le blanc des yeux. Mais tu veux que je fasse quoi? Bah rien. T'as récupéré son arc? Je faisais rien. J'ai pas d'arc. J'avais quasi un flac. J'avais un stack quasi de flèches. Non mais balance pas. S'il veut mentir, il fait comment maintenant? Oups. Je te dis, j'allais clairement dire qu'il en avait 22, et là il dit bah, j'avais un stack et demi. J'avais un stack et demi, bon bah voilà. Je peux très bien mentir. Oui, bien sûr, maintenant on le sait que tu mentais. C'est évident. Non mais mec, ils vont mentir, ils sont trop bizarres ces mecs. Mais regarde, viens, ils vont dire mais qu'est-ce que vous branlez vous deux. La game de malade. On est là, on sait pas, ce qu'on fait frère, on est en train de jouer. Eh mais attends, stop. Je sais pas si c'est légit. De quoi? Y'a un mec là, j'ai fait que pas 4-5. Bah c'est Sam surtout. Oui, c'est juste moi hein. Oui, ah, ok. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Ah ok, j'ai eu peur. Salut. Vous parliez à un mec là non? Et oui, on l'a tué. En fait, c'est le mec qui a tué, d'accord. On voit un minage, mec, on voit un minage à la couche 5 avec des blocs au sol. On se dit, c'est quoi cette merde? Et du coup, on avance. Et Bichard, il voit un mec qui se regarde dans le blanc des yeux et il se fracasse la gueule. Mais surtout qu'il était même pas full stuff. C'est à dire que je savais que j'allais gagner le fight parce qu'il avait le plastron James, le pantalon en fer, mais pas le bot, pas les casques. C'est vraiment trop cool d'avoir les trois méchants au même endroit. Ah, bah au moins. Quoi? Au moins méchant, moi, ouais. Gros méchant. Ouais. Gros méchant. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du HN, nous, tu vois. Il est dans la confidence, Sam? Confidence de quoi? Confidence, mec. Ok, bon bah il est dans la confidence alors. Il est dans la confidence, mec. Ah, mais franchement, c'est la meilleure game de Destiny de mon année 2024, et c'est normal, il y en a qu'une. Ah, mais ils sont dans le Nether, de toute façon. Ouais. On va y aller. Ils sont 0-0 Nether. Les gars, venez, on se donne des coordonnées à lesquelles on se retrouve dans l'Overworld, si on se perd. Vas-y, 200-200 tout pile, et si on se perd, on se cache sous terre en attendant les autres. 200-200, couche 63. Genre, je sais pas, on fait un cri, tu vois, un cri de ralliement. Genre, Ara ! Non, ça rend pas bien. Non, ça rend... ok. Non, ça rend pas très bien. Ok. J'annule le cri de ralliement. Non, mais tu vois, après on peut trouver un autre cri. Non, on va annuler finalement. On peut faire le bruit de la poule, comme ça les gens ils sauront pas qu'on est des côte, vrais côte, gens. Côte. Voilà. Comme ça. Allez, va dans la lave là, tiens. Prends-toi un petit bain. Ça va, t'as pas trop galéré en vrai? J'ai deux cœurs. Non. T'abuses de fou. Non, vraiment? Oh ouais, c'est vraiment petite compensation. J'en ai vraiment pas beaucoup quoi. C'est vraiment petite compensation quoi. Moi j'en ai vraiment pas beaucoup. Vas-y bah go. Non, c'est pas grave. Bouge pas. C'est qui a piégé le portail? Bouge pas. Non, mais non, il est pas piégé, il a vraiment spawn sous la lave. Ah, on est sous la lave là? On est sous la lave. Je ne bouge surtout pas. C'est KTP, c'est un stream. Je ne bouge pas. Ah, y'a plus de lave, je crois, mec, autour. Allez-y. Wesh. C'est KTP 5, mon gars. C'est bon, montez. Vite. Ça se referme. Non mais c'est abusé, attends, mais c'est quoi cette histoire? Et là... Les amis, je compte sur vous. C'est Bichard ou Moïse de la lave? On est Moïse, les gars. C'est bon, les gars, c'est sécurisé. Vous avez un briquet pour allumer? Je viens d'y penser, en fait. Ouais. Oui. Ah, sinon, je peux en faire, en fait. C'est bon. Moins 150, bien. Bah voilà. Tout droit vers là. Voilà. En face là, regarde, hop. Je suis terrorisé, on va les croiser. Bah ils vont avoir tellement confiance en eux, on va être touchés, genre. Ça veut rien dire, c'est pas parce qu'ils ont confiance en eux qu'ils ont pas. Et nous on a full confiance en eux. Bah voilà, ouais. Les gars, est-ce que vous aussi vous avez spawné dans un portail sous la lave, c'est comment? Ouais. Bah nous on a vraiment littéralement spawné, genre c'est 4 PVP 5. J'ai spawné ça mais avant le PVP. Vas-y, on va 0. Vous avez les potes? Non, le mec qui nous a volé c'est déjà Sako qui est là. Qui se safe hein? Moi je safe personne mais je pense qu'Armi est safe en toi en mode. Nous trois je pense qu'on se safe en vrai. Quoi? Ouais vraiment on est resté. Ouais. Bah ça fait vraiment longtemps qu'on a raison. D'ailleurs on a... Attendez, moi je pense que j'ai confiance en Guillaume parce que j'ai tabassé un mec en cave. Que j'ai croisé, j'étais low HP et ma back clean quoi. Et on l'a toujours dans l'extrême. Vas-y, mais bref, venez, on va 0 non.
Gars, c'est rien, là on va faire des suppositions. Non, non, ça, ça t'accuse pas du tout, mais ça te possède pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aucun d'entre vous qui a vu le clip dans le chat. Ouais. Mais d'accord. Devant, 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 devant. Devant, 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 devant. Oh, c'est gâté. Oh, putain, pas. Tu dates un peu, hein. Mais ça va. Oh putain, merde. Tu m'as pris pour qui, mec? Je t'ai dit, j'ai toujours le, level, le même level qu'avant. C'est vert, c'est vert, c'est vert. Ils ont les pattes, hein. Y'a que eux, quoi, en fait. En vert. Ils ont les pattes, hein. Mais toi, c'est dans la merde, un peu. Non, non, vraiment pas. Et toi aussi. Ah ouais, voilà, bah t'es là. Oh, parce que... Wesh. C'est quoi ces boosts de faux là? KB, hein. KBing, hein. On va bien jouer l'équipe, hein. Il y a ça, regarde. Les gars, c'est pour alarme, s'il vous plaît. Regardez, je vous montre un peu. Bien joué, Wesh. Une gapple, nice. Oh, t'as vu la speed, let's go. J'ai la speed aussi. On peut peut-être les recrafter, j'ai les alambics. Moi j'en ai une. Quelqu'un, non mais quelqu'un les award. Ah non, c'est pas. Ah si, j'essaie, ok, bah venez, on peut en power craft plein. Ouais, vas-y, on bouge, ouais. On va en faire. C'est parti où les autres? On est en haut là. T'as pas de quoi? Je vais pas leur passer les speeds aussi. Oh, on est où là? Je vais pas leur passer les speeds. Je vais pas leur passer les speeds. C'est fou quoi. En fait, là, si je passe les speeds à Marwan et tout, c'est fin de game pour tout le monde, hein. Même pour moi, hein. J'ai pas la canne à sucre. Retournez demander la canne à sucre. C'est l'équipe of a time. Je trouve de la canne, là. En vrai, faut que je trouve un mec qui est Gucci en gap et on en parle plus. Le truc, c'est que je sais pas si Guillaume me mentait ou pas. En vrai, je pense que Guillaume était en full mytho. Et qu'il savait que moi, j'allais lui balancer le morceau. Voilà, il y a que des grosses teams. Ça fait qu'il faut que je m'attaque soit à Black... à Baltim, à Black Voltage. J'ai pas d'arc aussi, ça va me niquer. Non, je pense que j'ai mal joué ma game. Je pense que c'est FF. Salut. Salut. T'es pas de gap? Ah merde. J'ai chaud. Oh, il est mort, il est mort! Tiens, retombe frère. Ah, ok, bon, Marwan est méchant, oui. Marwan est méchant, oui. Allez. Viens. Je suis en bas, je suis en bas, je suis en bas. Ah, il y a Bichard, c'est le moment là. Bah, on saute tous en bas, on saute tous en bas. Bon, on fume Bichard, venez, venez, venez. Il y a raison. Ouais, j'ai pas trop envie de te taper. Il doit pas être. Il est à deux quarts, deux quarts. Bon, oh, il est mort, mec. Ah, il a gap, il a gap. Il est en dessous, il est en dessous, il est là, il est derrière vous. Oh non! Vas-y. Dommage. Ah, je pouvais pas faire grand chose. Bah, j'étais gars tranquille.
Et toi c'est pour ça. Attends, vous saviez que j'étais méchant en vrai. Oui, on le savait. Bon, on m'a gardé. Tu savais que c'était pas Guil. On avait besoin de toi. En fait, je suis en train de me dire que là, le problème c'est que je vais forcément voir Bichard en safe en fait, parce qu'il a forcément abandonné son Death Note. Dis donc, ça part avec la table sans prévenir. Non, Guillaume a été extrêmement gentil, il me l'a apporté parce qu'il savait que j'étais dans la tourmente. Je le savais dès le début. Mais en fait, je l'ai vu me coller en fait. Le problème c'est que tu peux rien faire. C'est le problème de Death Note UHC, c'est que... Mais ça a été report au tout début. Hein. Vraiment, il y a longtemps. Le problème de Death Note UHC, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un veut te coller pour enquêter, tu ne peux rien faire parce que tu vas pas le tuer dès le début parce que ça se fait pas. Et deuxièmement, tu peux pas te barrer parce que si tu te barres, t'es forcément méchant. Donc je pouvais rien faire en fait. Je savais qu'il me collait pour avoir les informations, mais je pouvais rien faire.